Au sommaire de ce cinquième numéro de 7 jours dans l'univers, des reconnexions magnétiques proches à l'origine des orages magnétiques sur Terre. Oui, une supernova superlumineuse trahie par son fer, une observation d'un nouveau type d'aurore boréale, et enfin, pour finir, l'effet lens tearing observé autour d'une naine blanche en rotation ultra rapide. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une étude effectuée par une équipe exploitant les données des satellites Themis, qui étudie les interactions du vent solaire avec la magnétosphère terrestre, montre que les orages magnétiques peuvent provenir de beaucoup plus près de la Terre que ce que l'on pensait généralement. De quoi impacter directement de nombreux satellites. Elle est publiée dans Nature Physics. La magnétosphère qui entoure la Terre est modelée par son champ magnétique interne et les mouvements incessants d'électrons et de protons émanant du Soleil. Les orages magnétiques sont provoqués quand un flux de particules chargées du vent solaire parvient à traverser le bouclier que représente la magnétosphère et ses lignes de champ magnétique incurvées qui forment un vaste dipôle magnétique autour de la Terre. Au-delà de l'apparition de magnifiques aurores dans les régions polaires et parfois aux plus basses latitudes, ces orages magnétiques peuvent avoir des conséquences importantes au niveau du sol. En 1921, une telle tempête magnétique fut responsable d'une coupure générale des communications télégraphiques aux États-Unis et causa des dégâts sur des stations électriques jusqu'à induire un incendie dans une gare new-yorkaise. Plus près de nous, on se souvient du grand blackout qui plongea 6 millions de Québécois dans le noir le 13 mars 1989, le jour où des aurores ont pu être vues jusqu'en Floride et à Cuba. Aujourd'hui, un orage magnétique de grande ampleur de ce type a été estimé pouvoir causer des pertes de plusieurs dizaines de milliards de dollars par jour, rien qu'aux États-Unis. Quand l'énergie magnétique associée au vent solaire est transférée à la magnétosphère, elle s'accumule jusqu'à être convertie en chaleur et en accélération de particules via le processus de reconnexion magnétique. Ce phénomène a été étudié depuis des décennies, mais sans que l'on sache aujourd'hui à quel endroit ont lieu ces reconnexions magnétiques lors des orages magnétiques observés sur Terre. Vassilis Angelopoulos de l'Université de Californie à Los Angeles et ses collaborateurs ont étudié les données enregistrées par le trio de satellites Themis de la NASA, le Time History of Events and Macroscale Interactions During Substorms, pour essayer de déterminer où apparaissent les reconnexions magnétiques dans la magnétosphère. Là où le vent solaire a pour effet de réarranger les lignes de champ magnétique et peut induire une importante circulation de plasma. Du côté jour, qui fait face au soleil, le flux magnétique de la magnétosphère est érodé par le vent solaire et ce flux est normalement rétabli par des reconnexions de lignes de champ du côté nuit, le côté opposé. Mais il est aussi possible que des reconnexions magnétiques aient lieu du côté jour. La connaissance sur les zones d'origine et les processus en jeu est aujourd'hui très partielle, car les orages magnétiques sont assez rares, et les satellites déployés pour les étudier aussi. Angelopoulos et ses collaborateurs montrent dans leur étude la présence qu'une reconnexion magnétique ayant eu lieu à proximité de l'orbite géosynchrone a produit un intense orage magnétique. Or, la zone de reconnexion se trouvait entre 6,6 et 10 rayons terrestres, soit entre 42 000 et 64 000 km du centre de la Terre. Ils estiment que ce phénomène de reconnexion, beaucoup plus proche de la planète que ce que l'on imaginait,
serait induit par la forte pression dynamique du vent solaire. Dans cette zone, les reconnexions magnétiques étaient supposées être extrêmement réduites par l'effet du fort champ magnétique dipolaire terrestre. Il n'en est donc rien, selon les chercheurs américains et coréens. Ce résultat indique que les reconnexions magnétiques de la magnétosphère sont bien associées aux orages magnétiques et qu'elles peuvent apparaître à une distance relativement faible. Il dit aussi qu'il devrait être nécessaire d'explorer plus en détail le phénomène afin d'affiner nos modèles et mieux prévoir la météo spatiale, comme l'appellent les spécialistes, que ce soit pour les impacts sur les satellites, ou les hommes en orbite, ou bien au sol. SN2006 GY est l'une des supernovas les plus lumineuses jamais observées. Elle fait partie d'une classe de supernovas qu'on appelle des supernovas superlumineuses. Aujourd'hui, des astrophysiciens suédois et japonais viennent de découvrir que derrière cette explosion extrême se cache une simple supernova de type 1A, mais qui aurait explosé à l'intérieur de l'enveloppe d'une étoile géante. Une étude publiée dans Science. Depuis son apparition il y a 14 ans, SN2006 GY a été beaucoup étudiée, mais les astrophysiciens étaient toujours incertains de son origine. Anders Jerkstrand de l'université de Stockholm et ses collaborateurs l'ont étudié sous l'angle de la spectroscopie à haute résolution. Personne avant eux n'avait eu l'idée de comparer certaines raies non identifiées dans le spectre de SN2006 GY, enregistrées 394 jours après l'explosion, avec des raies du fer neutre, c'est-à-dire non ionisé. En effet, le fer qui est observé dans la lumière des supernovas est généralement ionisé. Et pourtant, c'était bien ça. Non seulement il y a bien là du fer neutre, mais il doit se trouver en grande quantité pour pouvoir produire l'intensité des raies observées aux environs de 0,8 micromètres. À partir du spectre, Anders Jerkstrand et ses collaborateurs parviennent à calculer que la quantité de fer présente dans le résidu de la supernova superlumineuse doit atteindre au minimum 0,3 masse solaire. Mais une telle masse de fer est impossible dans plusieurs scénarios qui étaient pourtant envisagés pour expliquer cette supernova superlumineuse. Parmi ces différents scénarios, élaboré à partir de la connaissance de la quantité totale d'énergie rayonnée par SN2006 GY, 10 puissance 51 erg, on trouvait l'idée d'une supernova à instabilité de paire induite par une étoile de très grande masse, ou encore celle atypique d'une supernova à effondrement de cœur venant collisionner une géante bleue. Mais il n'y a pas que la quantité totale de fer qui étonne ici. Il y a aussi le fait que les raies observées dans le spectre ne peuvent exister que si la vitesse de l'éjecta est relativement faible, car il s'agit de raies d'excitation atomique d'un niveau, 2,4 électronvolts au-dessus du niveau fondamental, qui est excité par des collisions thermiques d'électrons à des températures typiques de quelques milliers de Kelvin. Or, les supernovas classiques font à la fois trop peu de fer neutre et produisent des vitesses d'expansion trop rapides pour former ces raies caractéristiques du fer neutre. La largeur des raies du spectre de SN2006 GY fournit une valeur de la vitesse d'expansion de l'éjecta, 1500 km par seconde. Une telle vitesse, 394 jours seulement après l'explosion, est effectivement faible. Par ailleurs, le spectre montre aussi d'autres raies d'éléments, ionisés cette fois, notamment le calcium, ionisé une fois, la raie Ca2, mais aussi des raies du fer, ionisées une fois,
FE2. Le ratio FE1 sur FE2 a notamment été très utile pour Jerk Strand et ses collaborateurs pour déterminer la masse minimale de fer impliqué, ainsi que la densité du gaz, le niveau d'ionisation global et la température. Une masse de fer inférieure à 0,3 masse solaire aurait notamment conduit à une quantité relative de fer 2 et même de fer 3 beaucoup plus élevée. Cette grande quantité totale de fer est expliquée par les chercheurs par une forte production de nickel 56 juste avant l'explosion. Du nickel 56 qui se désintègre ensuite rapidement avec une demi-vie de 6,1 jours en cobalt 56 qui donne ensuite du fer 56 avec une demi-vie de 77,3 jours. Et ce nickel met sur la piste de l'origine de ce cataclysme. Il est le signe de la fusion thermonucléaire du silicium. Les chercheurs calculent que la quantité de nickel 56 nécessaire pour reproduire la luminosité de la supernova 394 jours après l'explosion est de 0,5 masse solaire. Là encore, les premiers scénarios qui avaient été envisagés pour expliquer SN2006JY ne collent pas avec une telle quantité de nickel 56. Les supernovas à instabilité de paire n'en produisent pas, et les supernovas à effondrement de cœur peuvent en produire, mais guère plus que 0,1 masse solaire. Pour produire 0,5 masse solaire de nickel 56, une supernova à effondrement de cœur, donc une supernova de type 2, devrait produire une énergie de 10 puissance 52 erg, c'est-à-dire 10 fois plus que ce qu'a émis SN2006JY. Alors après avoir passé en revue dans leur étude toutes les possibilités d'explosion, afin de trouver un nouveau scénario capable de reproduire les observations, Jerk Strand et ses collègues arrivent à une solution pouvant expliquer la production de 0,5 masse solaire de nickel 56 et en même temps une expansion à 1500 km par seconde, environ 400 jours après l'explosion. Il s'agirait d'une supernova à la base plutôt classique, une explosion de naine blanche, c'est-à-dire une supernova de type 1A, mais qui aurait eu lieu à l'intérieur d'une grosse quantité d'hydrogène, typiquement une quantité de gaz égale à l'enveloppe d'une étoile géante rouge. Selon les astrophysiciens, la naine blanche se serait retrouvée à l'intérieur de l'enveloppe de son étoile compagne lorsque celle-ci aurait gonflé. Puis elle aurait spiralé vers le centre avant de rencontrer le cœur de la géante. Le mouvement de spirale de la naine blanche dans l'enveloppe de la géante aurait eu pour effet d'en éjecter une grande partie vers l'extérieur. Il n'aurait pas fallu beaucoup de temps ensuite pour que la masse de la naine blanche dépasse la limite de stabilité et qu'elle explose en supernova sans laisser d'objet compact derrière elle. Lorsque la supernova a explosé, la matière éjectée est entrée en collision avec les restes de l'enveloppe de la géante qui l'entourait à proximité immédiate, et c'est cette collision massive qui a produit la luminosité exceptionnelle de SN2006JY, tout en ralentissant fortement les éjectats primaires. Le modèle hydrodynamique que les astrophysiciens ont construit décrivant l'interaction d'une supernova de type 1A avec un milieu circumstellaire très dense permet de reproduire toutes les observables de SN2006JY, la courbe de luminosité et le spectre d'émission. Il faut pour cela une enveloppe gazeuse de 10 masses solaires. Et d'après l'extension spatiale des restes de l'enveloppe stellaire qui est déduite du modèle et la vitesse d'expansion qui est observée via les raies spectrales, les chercheurs déterminent que l'éjection de l'enveloppe de gaz par l'effet de la naine blanche
a dû se dérouler entre 10 et 200 ans avant l'explosion cataclysmique, SN2006-GY. Cette durée colle très bien avec ce qui est trouvé par ailleurs par simulation de l'interaction entre une naine blanche et l'enveloppe d'une géante. 10 ans dans le cas d'une géante rouge, et entre 2 et 200 ans dans le cas d'une supergéante rouge. En un mot, la solution que Anders Bjerkstrand et ses collaborateurs ont trouvée pour expliquer SN2006-GY est nickel, et à tous les niveaux. D'autres supernovas superlumineuses, comme par exemple SN2006-TF, SN2008-FZ et SN2008-AM, montrent des similarités avec SN2006-GY, à commencer par l'énergie totale libérée qui se trouve être identique. Les astrophysiciens infèrent déjà qu'elles pourraient elles aussi être des supernovas induites par l'absorption entre guillemets d'une naine blanche par une supergéante rouge. Mais malheureusement, aucune donnée spectrale d'aussi bonne qualité que celle de SN2006-GY n'est disponible les concernant. Il n'y a qu'à attendre l'apparition de nouvelles supernovas superlumineuses et à ne pas les quitter des yeux. Les aurores boréales peuvent prendre des formes diverses. Elles apparaissent souvent comme des sortes de rideaux de lumière ondulant, de teintes vertes, mauves ou rouges. Mais le 7 octobre 2018, des chasseurs d'aurores amateurs ont découvert en Finlande un nouveau type d'aurore qu'ils ont appelé des dunes. Aujourd'hui, des spécialistes, avec l'aide de ces amateurs, parviennent à donner une explication à ces étonnantes aurores. Une étude publiée dans American Geophysical Union Advances. Les dunes sont apparues comme des fins rubans dans le ciel s'étendant à l'horizontale sur plusieurs centaines de kilomètres en direction de l'horizon. Les aurores normales ressemblent plus à des rideaux orientés verticalement, comme tombant vers le sol. Mina Palmroth de l'université d'Helsinki et ses collaborateurs finlandais ont travaillé avec les 4 photographes amateurs d'aurore qui avaient été témoins de ces étranges formes. Ils ont déterminé quelle était l'altitude des dunes, ce qui les a menés vers un modèle de formation. Les chercheurs finlandais estiment que les formes atypiques observées sont dues à des ondulations de l'air atmosphérique, des ondes atmosphériques. La zone de l'atmosphère dont il est question ici se situe entre 80 et 120 km d'altitude. Elle est directement sujette à la fois aux variations de l'énergie rayonnée du soleil et de la basse atmosphère terrestre. Ces fluctuations énergétiques peuvent par ailleurs affecter la trajectoire de certains satellites ou la rentrée de vaisseaux spatiaux. C'est la première fois que les ondes atmosphériques sont observées indirectement via les aurores. Mina Palmroth était connue en Finlande pour avoir écrit un guide d'observation des aurores pour les amateurs, où elle y décrit les différentes formes qu'elles peuvent prendre et les processus physiques qui en sont la cause. Mais un groupe d'amateurs l'a contactée en octobre 2018 pour lui faire remarquer qu'elle avait oublié de mentionner une forme particulière dans son livre. Palmroth comprit assez vite, à la vision des photos, qu'il tenait là une toute nouvelle forme d'aurore boréale, jamais imagée auparavant. Des photos prises à différents endroits de Finlande ont permis de calculer l'altitude à laquelle les dunes apparaissaient. Les physiciens ont trouvé qu'elles se formaient en une fine couche située à 100 km d'altitude. Cette zone de l'atmosphère est très mal étudiée, in situ, car trop haute pour les ballons stratosphériques, et a fortiori les avions, et trop basse pour les satellites. Les ondulations atmosphériques qui sont responsables des dunes sont provoquées par des différences de température et de densité. Elles se propagent à travers l'atmosphère comme des vibrations horizontales sur de longues distances, d'après les chercheurs.
et Palmroth et ses collaborateurs ont réussi à mettre en évidence un lien entre les dunes, leur localisation spatiale et temporelle, et l'injection depuis l'espace d'énergie électromagnétique dans la haute atmosphère. Ils pensent que les ondes atmosphériques, qu'ils appellent aussi plus scientifiquement des trous mésosphériques, pourraient être produites par effet Joule, l'échauffement de l'air par le courant électrique des particules chargées du rayonnement cosmique traversant la haute atmosphère. Ce sont ces mêmes particules qui sont aussi responsables de l'ionisation des atomes d'azote et d'oxygène qui va finalement créer les aurores après réarrangement des électrons dans les atomes, produisant cette lumière singulière. Cette belle collaboration entre citoyens passionnés et scientifiques aura permis de comprendre l'origine d'un phénomène atmosphérique très mal étudié et en s'en mettant plein les yeux. Le phénomène de frame drying, entraînement de référentiel, est un effet prédit par la relativité générale lorsqu'une masse en rotation rapide entraîne l'espace-temps avec elle. Une équipe d'astrophysiciens australiens et européens viennent de mettre en évidence cet effet pour la première fois autour d'une étoile naine blanche en rotation très rapide, grâce au signal du pulsar qui lui tourne autour. Une étude publiée cette semaine dans Science. Venkatraman Krishnan de Swinburne University of Technology à Melbourne et ses collaborateurs ont observé le pulsar PSR J1141-6545, un jeune pulsar qui vit en orbite d'une naine blanche plus âgée que lui. Ils ont utilisé deux radiotélescopes australiens, le télescope Parkes et le réseau Outmost, et en modélisant les temps d'arrivée des pulses radio du pulsar, ils ont pu observer des décalages dans les paramètres orbitaux du système binaire. Les radioastronomes parviennent à déterminer que les variations orbitales qui sont observées ne peuvent être dues qu'à l'effet d'entraînement du référentiel, qui induit ce que l'on appelle un effet de précession de lens steering, du nom des deux physiciens qui l'ont trouvé théoriquement en 1918 en trifouillant les toutes jeunes équations d'Einstein. Le plan orbital, qui peut être repéré par le point du périastre, le point le plus rapproché des deux compagnes au cours de l'orbite elliptique, subit un mouvement de rotation autour de l'une des deux compagnes. Et l'inclinaison du plan orbital évolue également. Ici, c'est la rotation de la naine blanche qui produit l'effet, et non l'étoile à neutrons. C'est la forte excentricité de l'orbite du système de PSR J1141-6545 qui a permis de déterminer l'effet avec une bonne précision. L'effet de précession de lens steering a déjà été observé en champ faible par des expériences menées avec des satellites en orbite autour de la Terre. Il est aussi exploité pour analyser les spectres de rayons X des zones d'accrétion autour de trous noirs supermassifs, ce qui permet parfois d'en déduire leur rotation intrinsèque. Dans un système de pulsars binaires, un pulsar accompagné d'une autre étoile, qu'elle soit normale ou naine blanche, les effets relativistes viennent s'ajouter à d'autres effets newtoniens qui peuvent mener eux aussi à une précession du plan orbital et de la position du périastre, un effet de moment quadrupolaire ou effet spin-orbite. On sait que dans le cas d'une étoile normale, c'est l'effet de moment quadrupolaire, non relativiste, qui doit l'emporter. A l'inverse, dans le cas d'une étoile à neutrons, c'est l'effet lens steering qui doit dominer largement. Mais dans le cas d'une naine blanche, en rotation rapide, les deux contributions doivent coexister environ à part égale.
Krishnan et ses collaborateurs ont dû modéliser très finement le système pour extraire les deux types de contributions responsables des observations de décalage temporel dans l'arrivée des signaux radio du pulsar. Le résultat est que l'effet de précession de lens tearing est bel et bien présent à côté de l'effet de moment quadrupolaire. Et c'est la première fois que cet effet relativiste est observé dans un système impliquant une naine blanche. La période intrinsèque du pulsar est de 394 millisecondes, pour une masse de 1,27 masse solaire. Et la période orbitale du couple vaut 2,74 heures. À partir de la précession du plan orbital induit par l'effet relativiste qui est observé, les chercheurs déduisent la période de rotation maximale de la naine blanche sur elle-même. Celle-ci doit être inférieure à 200 secondes, soit 3,33 minutes. La masse de la naine blanche est de 1,02 masse solaire. Il faut donc essayer d'imaginer un objet compact d'environ la dimension de la Terre, mais avec la masse du Soleil et qui tourne sur lui-même en moins de 4 minutes. Il faut aussi rappeler que PSR J1141-6545 est l'un des deux seuls systèmes binaires confirmés de type étoile à neutrons naine blanche dans lequel la naine blanche s'est formée avant sa compagne neutronique. L'autre est PSR B2303-46. Et la chronologie explique pas mal de choses, notamment la grande vitesse de rotation intrinsèque de la naine blanche. Les astrophysiciens expliquent le scénario qui a vu la naine blanche acquérir sa très grande vitesse de rotation. Initialement, deux étoiles vivaient en couple, la première étant un peu plus massive que la seconde, mais pas suffisamment massive pour exploser en supernova, une masse donc inférieure à 8 masses solaires. Cette première étoile est arrivée en fin de vie et s'est transformée en naine blanche après avoir gonflé en phase de géante et en ayant expulsé son enveloppe, ce que vivra le Soleil dans 5 milliards d'années. Mais la seconde étoile aurait récupéré l'enveloppe expulsée par la première en l'accrétant. Ce faisant, elle aurait gagné suffisamment de masse pour dépasser le seuil critique, où la fin de vie est beaucoup moins calme. Elle aurait donc explosé en supernova à effondrement de cœur, de type 2, en formant un pulsar. Mais juste avant d'exploser, cette seconde étoile, devenue trop massive, aurait à son tour éjecté une partie de son enveloppe qui aurait été réaccrétée par la naine blanche. Et c'est cette nouvelle accrétion de matière qui aurait accéléré fortement la rotation de la naine, tout en la faisant un peu grossir. Une fois l'explosion de la supernova déclenchée, le reste de l'enveloppe de la seconde étoile est expulsé au loin et le pulsar résiduel ne peut plus reprendre de la matière à sa compagne, puisque c'est une naine blanche déjà très compacte. On se retrouve donc avec un pulsar relativement lent et une naine blanche en rotation rapide. La situation est très différente quand c'est le pulsar qui est plus âgé que la naine blanche, ce qui est la grande majorité des couples de ce type connus. Dans ce cas, cela signifie que le pulsar était déjà présent quand l'étoile compagne a gonflé puis s'est transformée en naine blanche. Il a alors pu accréter une grande partie de l'enveloppe de l'étoile et se recycler en accélérant et en devenant un pulsar milliseconde, tandis que la naine blanche gardait une vitesse de rotation normale. Mais dans le cas de PSR J1141-6545, le pulsar n'a donc pas été accéléré et a conservé un champ magnétique élevé, typique des pulsars jeunes non recyclés. Quant à son axe de rotation propre, il est censé avoir eu une orientation aléatoire par rapport au plan orbital du couple, à sa naissance suite à l'explosion de la supernova. Mais en l'absence d'accrétion ultérieure,
il n'a pas pu s'aligner sur le moment angulaire orbital du couple. Ce désalignement est la cause de la précession de l'axe de rotation, qui est également observé par Krishnan et ses collaborateurs, en plus de la précession de l'orbite. Ce qui renforce d'autant le scénario envisagé. Le pulsar binaire PSR J1141-6545 offre ainsi de riches informations sur la formation d'un couple d'étoiles moribondes et permet de mettre une nouvelle fois la théorie de la relativité générale à l'épreuve des faits observationnels avec succès. L'effet de précession de Lenz-Tiering est observé pour la première fois autour d'une étoile naine blanche en rotation très rapide. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!